La Minute Déco avec Maud. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de décoration de véranda. Vaste programme. Mais non, c'est pas si compliqué. Qui dit véranda dit baie vitrée, certaines s'ouvrent, d'autres pas. Bon, ok. Votre véranda est un prolongement de la maison. Il est important de garder le style et la déco homogène. Choisissez soigneusement votre mobilier. Évitez les meubles trop hauts qui bloquent la lumière. Pour une touche estivale comme un coin de vacances, optez pour du mobilier d'extérieur. Vacances d'été assurées, même en hiver. Pour donner un effet cocon à votre véranda, optez pour des lignes douces, des matières chaudes et des teintes claires. Créez-vous un dedans-dehors. Rapportez l'extérieur à l'intérieur. Le bambou, le rotin, la corde, parfait pour l'aménagement. Votre véranda peut aussi prendre des allures de jardin botanique. Les plantes adorent être baignées de lumière. Préférez les orchidées, les palmiers, les bignonnes ou jasmin de Virginie. Des plantes grimpantes exploiteront votre véranda tout en hauteur. Pour la couleur, eh bien, faites attention. Souvent, les vérandas sont en alu noir, tranchées avec des couleurs différentes. Un canapé, des coussins, un plaid, un petit tabouret, un fauteuil suspendu. Pourquoi pas un tapis ? Pour la déco, les accessoires en quantité. Sinon, si vous êtes plutôt zen, limitez l'accumulation. Bon, allez, c'est à vous. Vous êtes prêts? Décorez! Retrouvez la Minute Déco sur itswanradio.com.